Hey, bonsoir tout le monde, on se retrouve sur Fear the Reborn pour la suite de notre aventure sur ce DLC. Et dans l'épisode précédent, ben, on avait buté nos potes. Ouais, c'est clair, rapide, concis, mais on s'en bat les couilles. Par contre, j'arrive ce que j'ai. Ok, je peux mettre des mandales. Ouh, j'ai des petites LED fluo sur ma combi, c'est plutôt stylé. Par contre, j'ai pas d'armes, donc autant dire que je suis dans la merde. Mais je vais couper ma lampe torche en fait. Il est où? Ok, je suis dans la merde. Ouais, mais là on m'entend si je pète la vitre. Ah, les mecs sont pas au-dessus. Si, si, je crois que les mecs sont au-dessus. Les mecs sont... Je me casse, nique ça, mais... All snipers in position. Il parlait pas en français avant? Il me semblait qu'avant il parlait en français dans le jeu. Voilà, un coup il parle en français, un coup il parle en anglais. C'est rigolo. Pas vraiment, mais bon. Oh putain, leur toit. Tu pédé. Ok, chouette, j'ai un flingue. Putain, ils ont des grosses mitraillettes et moi j'ai un péteux. Merde. Ok, c'est bon. On a un fusil d'assaut. Allez, go. Tu dois partir d'ici. Ok. Putain, les objectifs, ils me tutoient. Le manque de respect total, quoi. Bon, on a ce qu'il faut ici. On va récupérer. Ah! Comment ça, contact? Je t'ai défoncé. Quand vous me voyez, vous devez fuir, les mecs. C'est le truc le plus intelligent que vous ayez à faire. Bon, pour ça sous-entend que vous êtes intelligent et c'est déjà pas gagné. Allez, bim. Tu me connais pas, mon gars. Je suis l'inspecteur Harry. Bon, putain, je suis l'inspecteur Harry, mais je suis quand même dans la merde. Ok, on va reprendre le fusil d'assaut. Ils ont balancé une grenade derrière moi, c'est con. Je sais pas si vous l'avez vu. Dans la tête. Ok, bah non, bah oui, bah faut que tu t'arrêtes au moment où je tire aussi, pédéraste. Bah. Allez, avance. Toi! Bim! Putain, le mec il est mort d'une balle dans l'épaule, quoi. Enfin, une balle dans l'épaule. Un déluge de balles dans l'épaule, donc normalement ça lui a taillé le bras en petits morceaux, mais il est quand même mort d'une blessure à l'épaule. Ce qui est plutôt moche. Hop. Tac. On récupère ça. Alors je tiens à vous préciser que bah, normalement j'ai fini DLC Quest. Mais ça en fait, ça vous le savez. Vu que j'ai fini DLC Quest, je ne sais toujours pas qu'est-ce qui va le remplacer pour le moment. Je ne sais pas si je pourrais jouer avec mon pote avec qui je... Bien. Ah! Un sniper. Putain! En fait, je disais que je ne sais pas ce qui remplacera les vidéos fou rire ou délire en ce moment. Je pensais faire Scribblenauts Unmasked en mode un peu comme DLC Quest avec beaucoup de montage et beaucoup de conneries et des épisodes très très courts. Enfin, très courts. Plutôt courts. Vous me direz ce que vous en pensez! Je l'ai eu. Je t'ai eu ou pas? Non. Voilà, comme ça. Putain, le mec s'en bat les couilles, quoi. Mais nique ta mère, c'est quoi? Ça pue le cul un peu, ça. Pourquoi? Je le sens hyper mal. Hein. Je vais continuer à marcher sur le bord comme ça au cas où. C'est quelle touche déjà pour changer. Ah voilà, c'est ça. Mine de proximité, grenade à fragmentation. Bah ouais. On va poser des mines. Non, c'est G. Putain, oui, il y a des connards avec leurs grosses armures là, il est clouteuse.
merde. Oh putain! Bah oui, c'était prévisible. Les mecs, ils font des trous dans les murs, quoi. Fais chier! Ok, mais c'est pas grave. Vous avez été tué. Oui, je me suis fait one shot d'ailleurs. Hein. Mais bon, passons. Et c'est pas parce que j'ai marché sur la mine, parce que je crois que les mines elles me tapent pas à la gueule. Mais je pense qu'il a tiré dessus. Espèce de gros bâtard. Je te baisse ta mère. Pourquoi? Ah d'accord, il y a une petite marche et je respawn derrière la petite marque. La marche. Vas-y, éclate-toi! Enculé! C'était quoi? On aurait dit des coups de feu et j'ai vu du sang gicler partout. Je me demande bien ce que c'était. Ces mecs sont des génies. Ouais. J'ai pas une vision thermique là, un peu comme dans Tom Clancy. Enfin, Rainbow Six. Mais d'où tu sors toi? De quelle planète tu viens? Ah putain! Ah, c'est les balles de sniper qui me font ça. Enculé de tes morts. Ouais, quand je me sens en danger, je parle en gitant. Ah! Putain, mais what? Le viseur qui passe au travers du sol, est-ce que c'est une fonction officielle? Putain, ça me stresse un peu les mecs qui parlent un coup français, un coup anglais. Bon, vu qu'on sait que ça craint la mort là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va agir intelligemment. C'est pas mon domaine de prédilection, mais on va quand même essayer. On va en poser une là. Une. Ah oui, ça c'est pas du tout intelligent ce que je viens de faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Grenade à fragmentation. Mais ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être un putain de labyrinthe en fait. Dégage. Je suis. Putain, mais pourquoi j'ai pas des smokes? Ah, j'ai peut-être une idée. On va faire des trous. Ok, non, j'ai rien dit. Allez, pédé. Ah! Putain, dégage! C'est bon? Aïe, putain, merde. Ah, d'accord, ouais, j'ai plus rien, quoi, je suis à poil. Putain, laissez-moi sortir! Ah! Ok, c'est bon, je m'en suis sorti. Je crois. Non, pas du tout. Ah! Laissez-moi sortir. Là-dedans. Vite. Ok, c'est bon. J'ai tué personne, notamment parce que. Putain, merde! Je me casse en courant. Bon, bah, les couilles. Ils sont derrière moi. Ah! Vous m'aurez jamais vivant! Putain, je vais crever. Oh, j'ai une récompense, je sais pas ce que c'est. J'ai plus de vie. J'ai. Ok, quoi? Oh putain, ok. D'accord, j'ai compris. Donc en fait, va falloir que je descende. Bon, au moins, comme ça, c'est bien, je régène toute ma vie. Je pense. Si le jeu est bien fait. Est-ce que le jeu est bien fait? Dites-moi que le jeu est bien fait, s'il vous plaît, les mecs. Ça fait 10 minutes que je joue, ça fait 10 minutes que je. Ok, j'ai pas régéné toute ma vie. Super. On s'amuse. Putain, en plus je suis bloqué dans la table. 813 a échappé aux armures lourdes. Ah là là. Nous ne savons pas si c'est les armures lourdes qui sont très nulles ou 813 qui est vraiment badass. On pense que c'est le juste milieu entre les deux. On pense que 813 est bon mais que les armures lourdes sont des grosses baltringues. Qu'est-ce que tu fais toi? Salut. Putain, le mec il est tout rigide quoi. Et il met trop longtemps à tomber. Eh bien, t'as pris ton temps. Hein. Je ne suis pas serein. Alors déjà, on va faire ça. Attends, je pense qu'en fait... Oh, c'est chaud. Ah, j'approche. Ouvre les yeux. Mes yeux sont ouverts. Et malheureusement, ce que je vois, je t'assure, ça ne me plaît pas du tout. Yatta. Déjà, parce qu'il me reste 31 PV. Ok, putain, alors ça, ça va être chaud. Ouais, montre-moi la voie si tu veux, mais tant qu'à faire, si elle pouvait éviter d'être à 90 degrés du sol, ça m'arrangerait, tu vois. Ok, allez, 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 allez.
putain, Paxton, t'es vraiment un con. Hein. Paxton Fettel qui te dit, viens, suis-moi, je te montre, je connais le chemin. Ouais, bah, bien sûr. C'est par là? Non. Pas où faut que j'aille, du coup. Me dis pas que je suis passé au-dessus du ravin pour rien. Me dis pas que je suis con à ce point-là. Ouais, si, en fait, je pense que j'étais... En fait, c'est juste que j'ai eu du bol quand j'ai atterri. Putain, les portes qui sont dans ce sens-là, c'est quand même vachement rigolo. Est-ce que je meurs, là? Hop, fauteuil. Fauteuil. C'est bon. Oh, fait-elle. De quoi? Putain, j'ai perdu encore des PV. Eh, hey, on se détend. Filez-moi une armure, des packs de soins, tout. Je veux tout. Tout et maintenant... Putain, j'ai cru que j'étais mort. Je me disais, what? Pourquoi j'ai un temps de chargement? Je suis encore crevé, fais chier. Putain, ça fait 10 minutes qu'on joue, quoi. Allez. Les phases sont beaucoup plus courtes hein, sur le DLC. Je pense qu'il va faire 2 épisodes à tout casser. Donc techniquement, ça devrait être le dernier. Enfin, normalement. Après, je réfléchissais du coup pour la prochaine série. Non, 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 Alma, Alma, dégage, casse-toi. Putain. J'allais dire qu'en fait du coup je réfléchissais, je pense que je vais faire révélation. Si tout se passe bien au niveau de la capture, je fais révélation. Et après, je ferai peut-être Fear 1. Putain, la taille du rame, ils sont monstrueux. Eh hey, mais, reviens. Putain, ils sont énormes les rats ici. Je sais pas avec quoi les nourrir, avec quoi vous les nourrir ici, mais il faut pas. Hein. C'est pas les stremons moches là? Qui pètent les couilles, qui sautent partout. Ok d'accord, j'ai récupéré toute mon armure, ma vie. Ta gueule, non? Alors ça pour moi au loin c'était des packs de soins. Hein. Pas des putains de phares. Moi j'ai vu une lueur d'espoir, non, non, c'est une bagnole de merde. Un fusil à pompe. C'est ça, il y a des monstres dégueulasses qui... T'apprends de la vie, on, à grand coup de cartouche. Tu peux arrêter le mode ralenti, voilà, merci. Alors la question, est-ce que je dois passer par les égouts ou est-ce que je dois passer sous la voiture? Enfin, sous le machin, là. Ok, d'accord, mais en fait, quand je m'accroupis, mon perso, il se penche en avant, c'est tout. Hein, c'est... Il plie légèrement les genoux. C'est pas être à genoux, ça, mec. Hein. Ça, ça sent le cul. Parce que j'aime pas devoir descendre les échelles dans les jeux. J'ai mauvaise tendance à me péter les chevilles. Ok, il y a de la merde là-dedans. Ok, petit lag, tout va bien. Ah, d'accord, donc en fait, ça me charge des JPEG. Pourquoi est-ce que j'ai... Le mec, il était en train de couper la valve. Non mais non mais... Alors ça c'est une bonne idée, ça fait en sorte que les mecs puissent te frapper quand tu fermes le truc. C'est un concept que j'adore. C'est une bonne idée qu'il faudra adapter à plein de trucs. Hein je sais pas moi... Que toutes les actions scriptées, tu te fasses défoncer la gueule pendant que tu les fais. Moi ça me... C'est des espèces de zombies en fait, il a l'air de le bouffer hein. Il me semblait pas qu'il ait mordé avant. Enfin qu'il ait mangé quoi. Ok d'accord, donc là il y a deux autres voies d'arrivée. Putain mais qui c'est qui a ouvert ça? Ta gueule toi. Casse-toi. Tu vois pas que je suis en train de fermer les égouts? Putain dans ce jeu j'aurais été dératiseur. Et maintenant je travaille dans les égouts quoi. Employé de la municipalité pour les égouts. Putain mais à mon avis dans Fear, quand les persos ils rentrent chez eux, ils doivent sentir le rat crevé. Ils doivent sentir la vieille merde. Putain, rien que le bruit que je fais dans l'eau, ça me fait peur, quoi. Ok, il y a d'autres portes là-bas. Elles sont ouvertes ou elles sont fermées? Oh non, pas toi. C'est un zombie de merde. Bon, bah on va fermer la première porte. Faut que j'écrase les sbires. Genre, c'est pas les tuer, c'est les écraser. Ça paraît un peu violent, quand même, hein. J'ai ce qu'il faut moi pour les écraser, genre un marteau, il y a un machin qu'il faut.
Bon, après, en même temps, je crois que les objectifs, ils me sont donnés par Fettel. Fettel, il a peut-être un vocabulaire un peu limité. A voir. On verra ça dans le 1, le jour où je le ferai. Si d'ici là, je fais toujours des let's play, ce qui n'est pas dit. Parce que pour ceux qui le savent pas, les let's play, c'est pas le format que je préfère. Moi, je l'ai fait parce que voilà, c'est toujours sympa, ça permet de vous donner des news, des trucs comme ça, mais c'est pas le format que je préfère. Si je devais garder un format, c'est pas celui que je garderais. Ok, donc là, il y a plein de merde. Et vu que je suis con, bah, j'ai balancé une mine. Ce qui est un symptôme de la bêtise. Putain, mais... Symptôme, ouais. Parce que vous pouvez trouver les bêtises sur Doctissimo. À quoi reconnaît-on un con? C'est simple, il balance des mines au lieu de grenades. Putain, ils ont l'air d'être pas mal plus résistants qu'avant quand même. Parce qu'avant, je les poutrais en deux balles. Bon, après, je commençais par leur mettre des têtes au sniper, donc forcément, ça nique un peu de la vie. Crève un peu, non? Ah, je crois que je l'ai eu. Ouais, en fait, c'est des grosses merdes. Putain, quand cet épisode il est fini, je vais me rebattre à un épisode de DBZ pour la peine, tiens. Pour avoir un peu la notion de résistance. J'ai envie de voir Cell se faire poutrer la gueule par Sangohan. Qu'est-ce que tu fais, toi? J'ai des revendications, laissez-moi rentrer, s'il vous plaît. Putain, il est rapide quand même. Hein. Voilà. Je pense que je pouvais le laisser en vie, ça aurait été rigolo, tiens. Autant il revient me sauver la vie plus tard dans le jeu. Je m'en souviens pas, off. Ah. Ta gueule. Et eh ben, je crois que j'ai bientôt fini cet épisode. On va essayer d'atteindre la première zone de la prochaine zone de chargement. Moi, si c'est pas la dernière. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça pue la merde. Mais genre sec. Alors toi, je t'ai entendu venir, mais genre à mille lieues. Pauvre gueule. On dirait des mecs qui ont la peste. Putain, toi par contre, je t'ai pas du tout vu venir. Alors ça se voit pas, hein, vous l'avez pas entendu, mais il m'a fait un peu sursauter quand même. Un peu. Alors lui, il est fermé, ça va. L'autre là-bas, il est ouvert. Donc ça va déjà un peu moins bien. Toujours écraser les sbires. Hein. Watch. Il y a une voiture qui vient de me tomber sur le coin de la gueule là. Qu'est-ce que... Bon déjà il y a du matos là-bas donc on va aller le chercher. Ok non je peux pas en fait, je réalise après coup là que j'aurais mieux fait d'y aller avant. Est-ce que je peux passer en genre... Ouais ça passe. A mon avis en dessous c'est en train de pulluler. Ouais ça pullule grave en dessous. Wouah putain non. Non mais non. Je vous assure c'est pas une bonne idée. Ouais bah vas-y éclate-toi. Le mec c'est Spider-Man quoi. Toi de ta gueule. Putain genre je l'ai pas eu. Crève un peu non. Putain ils sont grave trop rapides. Il est où? Il est là. Viens, viens me voir. Viens je te dis. Culé va. Bah nique ta mère, tu sais quoi. Ouais putain mais j'ai pas, je sais pas, la voiture elle s'effondre, enfin elle me tombe sur le coin de la gueule, je peux pas avoir des objectifs un peu construits, des trucs... Ah. Oh putain. Ah mais je vais t'exploser la gueule frère. Balancer trop tard je crois. Oh et je peux ramasser l'arme. Donc c'est à dire que s'il se relève bah, il pourra pas l'utiliser. Je crois que je l'ai eu. Que dalle je l'ai eu. Mon cul ouais. Mon cul en brochette. Putain il peut rien faire face aux pompes. C'est surpuissant le truc pour lui. Le mec il se dit mais qu'est-ce qu'il fait avec ce lance-roquette portatif. Non c'est juste un pompe. Il y a un truc qui est tombé là non. J'ai entendu un pouf. C'était le cul de ta daronne qui vient de faire ce bruit. MDR.
Putain, mais filez-moi des trucs utiles comme objectif. Genre écraser les sbires. Hein. Mais les sbires de qui? Les sbires de quoi? Putain, les méchants, c'est pas les Yakuza. Hein. Je n'ai rien contre les Yakuza. S'il y a des Yakuza qui regardent mes vidéos, je vous aime bien, les gars. Me tuez pas, s'il vous plaît. S'il y a des Yakuza qui regardent mes vidéos, les mecs, s'il y a un Yakuza qui regarde mes vidéos, il se dit, mais j'en mens pas les couilles, frère. Je sais pas pourquoi j'appuie sur tab, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça va m'indiquer la map. Ah oui, c'est un réflexe que j'ai pris sur Rainbow Six, c'est ça. Vegas 2, hein, pour ceux qui se demandent. Je pense pas pouvoir faire tourner siège. Et un jour, d'ailleurs, vous aurez des vidéos sur Vegas 2. Putain, c'est quoi ça? Puis quand Alma, elle a des... Elle a des agents de sécurité. Commence à faire longuer tout ça, hein. On vient de passer les 20 minutes, je crois. Allez, putain, mais pourquoi tu cours dans les murs? Est-ce que t'es con, 813? Parce que je crois que c'est ça son nom. C'est pas très... J'aimerais bien l'appeler par son prénom, mais bon, c'est un clone. C'est un teubé, donc c'est un... Il n'a pas de nom. J'ai entendu un truc qui ressemble à une respiration. Oh, il y a du matos. Oh, 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 oh. Allez hop. Le retour. J'aime pas du tout ce... Il faut continuer, tu n'as pas d'allié. Ouais, alors je maintiens que c'est particulièrement stressant l'idée qu'il y a un coup de français et un coup d'anglais. Et surtout, je n'ai pas d'allié. Bah, c'est gentil parce que je comptais sur. Je crois que je me suis retourné comme un con. J'ai pas fait un 360. Si, j'ai fait un 360. Quoi? Pourquoi ma manette de Xbox elle vient de s'allumer toute seule? Elle est possédée, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai dû la débrancher sans faire gaffe. Mais tu sais quoi, je vais la débrancher tout court! Comment ça, confirmation visuelle sur Foxtrot 813? T'as pas de confirmation visuelle parce que je vais t'exploser la tête, mon pote. Tiens, 1, 2. Ouais, le mec est venu se caler devant moi. Ce qui est sûrement la pire idée de tous les temps. Hein. Sachez que, bah, si vous êtes un 1. Oh putain, ça pue la merde. Une tourelle qui est orientée dans mon sens, ça veut dire que je vais devoir l'utiliser sur une horde d'ennemis. Et sachez que ça, c'est un truc, autant des fois c'est bien quand c'est bien fait. Ok, le mec vient de slider comme un porc. 1. Putain, il est où son pote? Allez, bouge ton cul. 2. Oh putain! Je t'ai vu. On enlève ton enculé. On va pas le gaspiller pour rien. Voilà. Bon, allez, on va essayer d'atteindre le prochain checkpoint et on arrête là. Et le prochain épisode devrait être le dernier. D'où ça vient? Ah. Tant pis, hein. Je tire dans le genou, tant pis pour toi. Ça aurait été moins douloureux si tu t'étais sorti les doigts du cul. Alors c'est particulièrement stressant parce que... alors oui, je sais que je viens d'avoir un checkpoint, mais là je suis clairement sous le feu ennemi, donc c'est pas une bonne idée d'arrêter ici. Oui, oui, j'utilise sous le feu ennemi comme remarque, comme expression. Et ça me va très bien. On va commencer par faire un peu de nettoyage tranquillou. Par tout ce qui peut être dangereux et on ira prendre la tourelle après. Ça me semble être une bonne idée. Et si vous, pour vous c'est pas une bonne idée, bah je m'en bats les couilles. Parce que c'est une vidéo et donc qu'elle est déjà tournée. Et puis de toute façon, je pense que même si ça avait été un live, est-ce que j'aurais vraiment fait un stropol pour dire est-ce qu'on snipe avant de prendre la tourelle? Ok, les mecs sont... Le mec est ultra résistant. C'est pas grave, je vais t'exploser la tête. C'est pas un souci. Pour moi, ça change rien. On parle le nombre de balles tirées, mais... Ah, voilà, toi. Voilà. Il m'a pas niqué toute ma vie, cet enculé.
y a un connard qui m'a niqué toute ma vie. Ah mais en fait il y a trop de monde. C'est juste que c'est des enculés de planqués. Bon alors t'es où? J'arrive pas à le voir. Ah là. Voilà. Et on se soigne. Pas très malin toi. Putain. Ok mais moi je suis retombé. Vas-y fais-toi plaisir. Moi aussi je peux le faire. Envoyez les renforts. Qu'ils puissent les descendre aussi. Comme ça il sera tranquille. Il y a un tir de quelque chose. Je sais pas ce que c'est mais j'ai entendu tirer. Il y a un ch... Voilà il y a des schlags. Putain il y a un autre sniper. Ah ouais les mecs sont deux quoi. Ils ont pas le temps. Putain il y a un autre enculé là-haut. Allez un. Qu'est-ce que tu veux toi? Ta gueule. Voilà. Je suis tranquille. Putain il m'a défoncé. Ok. Ok. Je pense que je vais prendre la tourelle directe en fait. Bah oui j'ai... Vous avez été tué MDR. Connard. Nique ta mère. Je pense que je vais prendre la tourelle directe. Même si c'est pas forcément une bonne idée. Parce que je pense que bah, vu ce que j'ai pris dans la gueule. Mais ça me permettrait déjà de pas recharger. Enfin d'être tranquille niveau rechargement. Il y a des cadavres ici. Eh hey, je viens de me frapper un checkpoint. Donc normalement il y a que dalle. Pardon. Problème de... Ah oui d'accord ok. C'est moi j'ai compris. Ouais j'aurais dû direct commencer avec ça en fait. Genre ça me change la vie là les gars. Ah par contre il y a une putain de refroidissement. Toi ta gueule. Ah ouais putain. Eh mais la première fois que j'étais à la tourelle j'avais pas de sniper en face de moi donc ça allait. Putain mais ils font grave mal. Ah là-haut. J'ai jonglé avec son corps. Ah ouais mais... C'est chaud comme ils font mal. Putain! C'est chaud! Faut connaître la position des snipers en fait. Ouais, je me gratte la tête et alors. Oui, j'aimerais recommencer s'il te plaît. Bon, je fais ce dernier essai. Et après, je pense que je coupe l'épisode et je le reprendrai là au prochain. Non pas que ça me gonfle, hein. Au contraire, je trouve ça très rigolo de me faire défoncer le cul plusieurs fois d'affilée. Ne sortez pas cette phrase de son contexte s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'en me rends compte que c'est particulièrement dégueulasse. Mais en soi ce que je veux dire. Putain mais pourquoi? Mais crève. Ragal. C'est bon je l'ai tué. Allez on a gagné. Déjà un décor, ok. Allez, c'est bon, j'ai déjà perdu la moitié de ma vie. Faut que je surveille très attentivement la position des snipers. Voilà, là, déjà. Je tire un peu à l'aveugle, du coup, hein. Parce que j'ai le regard en haut de l'écran et du coup je fais pas attention sur ce, où je tire techniquement. Quoi? Eh soigne-toi enculé. Allez crève. Putain mais comment est-ce que je voulais faire ça au sniper? À part en restant planqué comme un... J'ai vu un viseur rouge. Ah non d'accord, ça devait être toi. Crève non? Voilà.
C'est bon? J'ai l'impression que c'est bon. Bon, déjà, on va faire ça. On va faire ça. On est bien. Comment je voulais passer ça au sniper? Putain. Mais je suis fou, moi. Moi, je me dis, c'est bon, je suis au snipe, ça va passer, tranquille. Que dalle, mon gars. J'étais juste bon à me faire défoncer le cul. On ferme la porte, on sait jamais. Limite, je serais proposé de prendre un câble et genre de fermer la porte, mais bien comme il faut, quoi. Tiens, je pète la... Je prends un truc de l'échelle et je ferme avec. Bon, par contre, est-ce que maintenant je peux... Je sais pas, moi, avoir un checkpoint maintenant pour pouvoir terminer mon épisode, s'il vous plaît. Les petits gars de chez Fear. Je me souviens plus c'est qui. Ah, voilà, parfait. Vous êtes presque au cratère, la voix est plus puissante, vous aurez bientôt vos réponses. Moi, personnellement, je me posais pas de questions, hein. Vu que je sais que c'est Fettel qui me parle. Et que de toute façon, je crois pas que ce soit dit dans le jeu. De toute façon, vous connaîtrez Fettel le jour où je serai Fear 1. Sinon, il y a Lilou qui avait commencé Fear 1 sur sa chaîne. Elle est dans la subbox, la droite de la... À droite des pages recommandées, donc si vous voulez aller voir à quoi ressemble Fear 2, vous allez juste aller dessus. Vous verrez, c'est marrant. Bon, ben voilà, on aura bien galéré, ça m'aurait bien gonflé. Je voulais faire un épisode de 20 minutes, moralité, il aura fini demi-heure. J'espère qu'il vous aura plu, et on se retrouve pour le prochain. Passez bonne soirée.